J'ai été un peu malade ces derniers jours et je l'ai utilisé un peu comme excuse pour pas faire de vidéo. Là, je me suis dit, j'arrête ces conneries, j'arrête l'excuse. Et voilà, aujourd'hui, je vais te faire une vidéo concernant Webigger pour te présenter le gros problème que j'ai avec cette plateforme en ce moment. Donc, j'ai lancé la plateforme en août, comme prévu, tout s'est super bien passé. Mais voilà, maintenant, on est quelques mois plus tard et c'est clairement pas encore Facebook. Voilà, on n'a pas encore énormément de membres, c'est encore très petit. Il y a évidemment plusieurs facteurs qui jouent un rôle là-dedans. Genre, la plateforme n'est pas parfaite, c'est pas idéal. J'utilise Messenger, j'utilise Google Hangouts. Enfin, c'est pas tout réuni dans une application comme ça, mais ça, c'est pour des raisons budgétaires. Enfin, il y a plein de petits problèmes comme ça. Mais ça, c'est des détails. Et le vrai problème dans toute cette histoire, c'est la manière dont Webiger acquiert des membres. Et maintenant, avec le recul, ça paraît évident, mais sur le coup, j'avais pris une décision qui était une grosse erreur en fait. L'idée que j'avais choisie, enfin, comment est-ce que Webiger allait grandir, j'avais dit que ce serait un réseau social fermé et que la seule manière que d'autres personnes rejoignent le réseau social, c'est qu'ils soient invités par des amis. C'est le modèle qu'a utilisé Facebook, c'est le modèle qu'a utilisé Snapchat et ça marche super bien. Mais seulement sur ces types de réseaux sociaux où l'idée, c'est de se retrouver avec ses amis. Alors que pour Webiger, il va falloir que je prenne une approche beaucoup plus semblable de Tinder ou ce genre de truc. Parce que voilà, j'étais resté focus dans ce modèle de les utilisateurs invitent d'autres personnes. Donc au début, j'avais simplement dit voilà, si tu invites un membre, tu reçois X cadeaux. Ensuite, j'avais dit à chaque fois que tu invites un membre, tu reçois un vote supplémentaire. Donc à chaque fois qu'il y a des votations sur la plateforme, ça te donne plus de pouvoir. Ça n'a pas marché du tout. Et je suis arrivé au stade critique où en gros j'ai proposé aux membres de confiance, enfin les membres actifs, d'être payés 1 $ pour chaque membre qu'ils invitent. Donc vraiment une récompense financière en fait. Et ça n'a pas marché non plus. Donc il y a très clairement un signe. Et moi, jusqu'à il y a quelques jours, je m'étais dit le problème c'est que voilà, les gens ne voient pas la valeur, ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient inviter les amis. Et ensuite, j'ai un peu réfléchi, j'ai comparé les modèles de Tinder et de Facebook, et j'ai vu qu'il y avait quand même une sérieuse différence. Et j'ai compris qu'en fait, en tant que membre, tu veux pas ajouter tes amis, parce que bon, déjà c'est encore un peu petit, tout ça, t'es pas à l'aise, mais surtout, tu veux pas te retrouver avec tes amis sur la plateforme. Parce que ça sert à rien pour toi. Toi, si tous tes amis sont sur la plateforme, c'est pas ce que tu veux, mais tu les connais déjà. Toi, ce que tu veux, c'est rencontrer des nouvelles personnes. À la même manière que sur Tinder, tu vas pas inviter tes amis à te rejoindre sur Tinder. Parce que tu les connais déjà, ça fait aucun sens. Tu veux rencontrer de nouvelles personnes. Donc c'est clair que le modèle bouche à oreille n'a aucun sens ici. Et il marche que à condition que, voilà, t'aies vraiment déjà pas mal de contacts dans le monde de l'entrepreneuriat et que vraiment, voilà, t'as envie de soutenir la plateforme. C'est ce qui est arrivé avec une personne. Qui m'aide beaucoup en ce moment et qui a invité pas mal de connaissances à elle qui sont aussi des entrepreneurs. Et en parlant d'entrepreneurs, et ça c'est sûrement le deuxième problème, c'est que beaucoup des membres de cette plateforme, justement, ils rejoignent Webiger parce qu'ils veulent rencontrer d'autres entrepreneurs. Et si tu veux rencontrer d'autres entrepreneurs, ça veut dire que dans ton entourage, t'en as pas énormément. En fait, c'est ça le truc, c'est tellement con que j'ai pas réalisé ça avant. Mais c'est que les gens, ils rejoignent Webiger parce qu'ils veulent rencontrer des entrepreneurs et souvent parce qu'ils n'ont pas d'entrepreneurs dans leur entourage. Et du coup, ils n'ont personne à inviter sur la plateforme. Enfin voilà, j'ai réalisé ça maintenant, c'est un signe très clair. Il faut que je change la stratégie marketing de Webiger, il faut que je change la manière dont Webiger acquiert des membres. Parce que là, on est à 80 membres et c'est pas assez vraiment, il faut pas abuser. Webiger, on veut pas jouer dans les centaines, on veut être dans des milliers, des millions de membres vraiment. Donc maintenant que j'ai repéré le problème, il faut que je le prenne un peu en main et que je mette en place des actions qui vont permettre d'augmenter le nombre de membres sur Webiger de manière significative. Voilà, et voilà, je voulais juste encore te dire comment on a dépassé les 400 abonnés. Bah déjà, merci à toi d'être abonné. Et surtout, on va organiser une rencontre abonnée sur Webiger dimanche prochain. Donc pas ce dimanche, mais le dimanche d'après. Donc si tu es déjà membre de Webiger, eh bah parfait. Et sinon, voilà, il y a un lien dans la description qui va te permettre de t'inscrire. Et en passant par ce lien, tu seras directement inscrit à l'appel, voilà, rencontre abonnée. Parce que si tu es déjà inscrit sur Webiger, bah tu seras pas forcément inscrit à cet appel. Donc voilà, il faut juste cliquer sur le lien dans la description pour t'inscrire à l'appel. Je ferai une autre vidéo dans quelques jours, voilà, pour donner encore plus d'infos. Mais en tout cas, ça aura lieu, voilà, pas ce dimanche, mais le dimanche dans 2 semaines à 21 h. Voilà, et je me réjouis de vous rencontrer en vrai. Voilà, parce que vous êtes quand même 400 maintenant. Et puis je vous connais que par commentaire, donc je me réjouis de vous rencontrer en vrai. Bon, je te souhaite une super soirée. Ciao!